d'abord le mettre à l'aise. Et donc, s'il n'a jamais vraiment touché à la pierre, je lui mets une petite pierre comme ça à côté. Il dit, bah, vas-y, fais des essais. Je lui montre trois petits trucs. Faire un lavis, comment les crayons fonctionnent sur la pierre. Bon, c'est comme dessiner sur une feuille de papier, mais il faut, bon, le support est un peu plus dur. Mais c'est pas plus compliqué que ça. L'artiste est extrêmement libre avec la pierre. L'encre à dessiner, c'est comme de l'aquarelle, ça se dilue à l'eau, puis que tu dilues, puis que les demi-teintes sont claires, enfin, il n'y a rien de compliqué. La deuxième est souvent un peu ratée, dans le sens, pas techniquement, ça veut dire qu'il y a souvent des très jolies choses techniques sur la pierre, mais il n'y a pas vraiment d'expression artistique. Parce qu'il dit, ah tiens, alors à la première petite pierre, ils sont là, ah bon, on peut faire ça, on peut faire ça, ah mais c'est formidable, ah ben on peut aussi faire ça. Ouh, ça leur donne des tas d'idées, et donc du coup, ils oublient un tout petit peu leur côté artistique, et se lancent complètement dans la technique, et donc la deuxième est toujours un peu, peut-être lithographiquement réussie, mais artistiquement un peu moins. Donc, mais c'est ça qui compte, hein, c'est vraiment, c'est la fin, c'est la finalité qui compte, hein, c'est pas la... J'ai jamais mis de l'importance dans la technique lithographique pour obtenir un résultat. Un artiste, il faut l'accompagner et seul le résultat artistique compte. J'ai toujours vu ça un peu comme en danse, un pas de deux. C'est quoi un pas de deux en danse? C'est deux solistes qui se rencontrent et vont faire à un moment donné, à un court moment, une danse ensemble, un travail ensemble. Et bien, c'est exactement ça. Nous sommes exactement dans la même situation. C'est-à-dire que l'imprimeur est un technicien qui va rencontrer un artisien qui est aussi quelqu'un qui travaille seul. Donc voilà, c'est deux solos qui vont se rencontrer. Et pendant un court moment, ils vont faire un pas de deux. Et un pas de deux, c'est une estampe qui en sortira.